Chemin secret vers l'arbre sacré. Donc on se retrouve ici. Donc je vais un peu expliquer ce que j'ai fait. Je voulais pas vraiment y aller, mais... Alors la dernière fois on a fait ça. La tombe des pourfendeurs des géants. C'est ça qu'on a fait la dernière fois? Oui, je crois bien. Et on a récupéré une épée courbée. Un nouvel espadon courbé. Je le trouvais sympathique, je suis mort au passage, hein, c'est pour ça que ma rune n'est pas activée. Je le trouvais sympathique, il était là, mais je l'ai un peu testé. C'est celui-là. Je l'ai un peu testé, l'épée courbée de Zamor, et au final c'est vrai que c'est pas très bon. C'est surtout en fait la façon dont on tape. Qui est pas extrêmement bonne. Donc j'ai décidé de pas l'augmenter. Par contre, après je vous avais parlé du fait que je voudrais bien en fait faire un Great Hammer, donc un gros marteau. Donc ça c'est une masse. Moi je veux la grosse version. Donc la grande masse de glace. Moi je voulais prendre ça parce qu'honnêtement j'aime bien son look, très simple. Très sobre, vraiment cool. Donc je voudrais faire ça. Mais après je suis allé quand même voir sur le Wikipédia pour les armes, parce que je voulais voir en fait ce qu'il y avait dans les marteaux de guerre en fait, tout simplement. Et il y en a un qui serait plutôt sympathique et je voulais le farmer, mais du coup c'est une zone en fait qu'on n'a pas vue encore. Et elle est juste genre là, elle est vraiment 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 pas loin. Mais du coup, je me suis dit bon ben je vais y aller, je vais enregistrer le chemin et tout ça en vidéo, je vais le montrer et puis basta. Mais en fait il faut passer par une sorte de donjon, donc il faut utiliser le médaillon secret, hein, qu'on avait récupéré au grand ascenseur de Rold, et après on arrive ici, donc le chemin vers l'arbre sacré. Mais c'est un donjon, et en plus apparemment il y aura un monstre qui aurait une morte fleur en fait. Donc on va devoir faire ça. Ah, il y a ça aussi à activer. Voilà, très bien. Donc voilà, donc du coup, bah, ouais, on va le faire en vidéo. Voilà. Et après, moi, j'irai farmer mon marteau. Il y a un marteau, donc le grand marteau, enfin la grande masse qui m'intéresse, en fait, elle ferait... ah merde, comment ça s'appelle? La putréfaction écarlate. Et apparemment, on peut lui mettre n'importe quelle cendre de guerre. Donc, honnêtement, si ça marche bien, si le truc est bien, on va prendre donc... Oh mon dieu, j'en ai marre de chercher les trucs. On va prendre ce que j'ai mis là. L'habilité que j'ai mis là. La vague ténébreuse. Et on va la mettre sur le marteau qu'on va récupérer. Du coup, ça nous ferait des AOE en... putréfaction écarlate, et on pourrait mettre une variante en plus dessus qui est par exemple la congélation. Donc on pourrait mettre congélation et ça, ou alors poison et ça, ou alors même saignement,
Donc voilà, je voudrais vraiment tester ce marteau, celui-là qu'on va farmer, que je vais farmer, voir ce que ça donne. Voilà. Parce que je voulais un peu changer de look et en gros je voulais faire ça, mais vu que ce marteau il est très bien, ce marteau il est super bien, attention. Il a de très très bonnes stats et tout ça, il est extrêmement puissant, c'est un des meilleurs honnêtement marteaux de guerre, il est très très banal, très simple. Enfin il est pas banal, il est simple et il marche très bien. Mais voilà, je voulais un truc un peu plus original, donc c'est ce qu'on va aller chercher. Donc voilà, bienvenue dans le passage secret. Donc l'œil de bête se met à trembler, donc il y a un morte-fleur quelque part, donc on va devoir chercher ça, pardon. Et on a un truc extrêmement bizarre là, c'est quoi? Ah, c'est pas un truc qu'on voit sur les plages, ça? Je crois que c'est les trucs qu'on voit sur les plages, donc c'est pas vraiment très, très original. Après, je vais peut-être activer ma rune. Ça me fera des HP en plus. Donc on va y aller. Donc je sais pas si le passage est long. Hein. Peut-être que cette vidéo va durer genre 20 minutes, hein, pas plus. Merde. Putain, il m'a loupé ce con. M'inquiète ce truc en haut, on va voir. Oh, il y a les yeux qui brillent en plus. Ah, c'est du... Non. Ah, merde, il y a des trucs. Ah, il se régène. Ah oui, il se bouffe, c'est vrai. Eh oui, et après il crache. Voilà, très bien. Très bien. Voilà. Pas compliqué. Donc ouais, on va faire ça. Quoi? Mais t'es pas mort, tu veux pas crever s'il te plaît? Ah bah on peut sortir je crois. Déjà. Je crois qu'on peut déjà sortir et je peux aller farmer mon truc. Wow, c'est quoi cette brume? Champ enneigé consacré. Ouais, 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 on est sur l'autre partie. On va aller récupérer la map. Mais d'abord, on va quand même finir ce donjon là. Parce qu'apparemment, il y a quand même un boss à faire. Donc on va faire ça. On va en profiter. Je comptais pas jouer, mais bon. Voilà, c'est vu que je veux tout montrer en vidéo tout ce que je fais. Et y a aussi le fait que c'est complètement abusé en fait, hein, la congélation et tout ça. Quand vous mettez, on en avait parlé la dernière fois, mais quand vous mettez, vous rajoutez en fait un effet sur une arme qui en a pas. C'est... Ah merde, mais il réapparaît ce con. Okay. Bon bah merde alors. C'est quand même bien 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 abusé. Hein. Genre on met la glace tellement facilement, c'est incroyable. J'ai vu qu'il y avait des remparts, pas des remparts, des... Ah merde, des trucs pour s'appuyer là. Qui étaient détruits ici, donc... Non, il faut pas y aller. Je pense pas, en fait on peut pas aller dans l'eau là, en bas.
je vois rien du tout et ça a pas l'air. Bon, il y a sûrement, ouais, il y a d'autres niveaux, mais je pense pas que l'eau soit solide en fait. Yes. Ouais, d'accord, ok. C'est bien ce que je pensais. Je me suis dit, ça fait trop de bruit pour que ça soit des petits. Merde. Voilà. Je voulais lui couper les tentacules, mais j'y arrivais pas. On a un très très bon setup pour eux, honnêtement, on les défonce. Hein. Bon, ok, on va devoir trouver un passage pour descendre, je pense. Donc ouais, je veux vraiment farmer en fait ce nouveau marteau, parce que déjà ça nous changera un peu de 1. Et de 2, il a l'air vraiment cool. Genre, on aurait des griffes qui donnent de la glace et du saignement, et on aurait un marteau qui fait de l'écarlate, putréfaction, écart. Waouh, tu vas te calmer. Ah, tu me fais chier là, par contre. Ah, mais là, je peux pas t'atteindre avec mon épée en fait. Bah merci. Putain, t'es déjà empoisonné, je t'ai mis 2 flèches quoi. Ok, il va falloir retrouver le passage. Ouais, faut peut-être descendre, tomber à un endroit. Mais là, je vois pas vraiment. Attends, pourquoi ça te flotte? Il y aurait un truc invisible. Ça m'étonnerait qu'ils mettent des ponts invisibles, des trucs comme ça. C'était vraiment une horreur dans les anciens jeux. Ouais, non, y a... Merde, t'es sérieux? Celui-là, il y a un débris en fait. Sans déconner, non. Oh putain. Ils ont osé faire ça, quoi. Fait chier. Je déteste ce truc. Faire comme ça, hein. Je sais pas s'il y a un moyen de voir les choses, les sols. Bonjour. Je viens foutre le bordel dans votre groupe.
Est-ce qu'on a des choses, des objets pour voir l'invisible, des trucs comme ça, genre à la Zelda? Je crois pas, hein. En tout cas, j'ai aucun souvenir d'avoir des objets comme ça dans les Dark Souls. Non, je pense pas. Ah, il y a les autres qui marchent là. Oh, attends. Après, il y a peut-être. Genre du sol partout, hein. Peut-être. Oh putain. Ça me permettra peut-être d'éviter de voler là, ça me stresse en fait. Ouh, scarabée d'argent, c'est un talisman ça. Ça fait quoi? Améliore la découverte. Oh mon dieu, merci mon dieu. On a enfin un objet qui augmente la découverte d'objets. Enfin, un talisman qui augmente la découverte d'objets. Oh mon dieu, en plus c'est de beaucoup quoi. Oh là là, je vais pouvoir arrêter de me faire chier à utiliser les objets là. Oh, c'est trop bien. J'entends du bruit. Sur les côtés. Oh, c'est trop bien. C'est juste trop bien. Alors. On va refaire ça. Ok, alors pas là. Ok. Ouais, du coup là. Ok, je crois qu'il y a en fait une sorte de... Comment ça s'appelle? D'escalier en fait. En ligne droite vers le prochain endroit. Après, on a plein de torches. Genre, les torches, ça sert à rien, les torches qu'on a. Il n'y en a pas une qui est magique. J'en sais rien, moi. Parce que c'est vrai que c'est embêtant. Parce que moi, je me dis que maintenant, c'est Elden Ring. Donc, est-ce qu'ils auraient pas mis quelque chose? Un truc qui nous permet de voir. Merde, pas ça. Genre parce que je veux bien qu'à l'époque c'était Dark Souls et tout machin, ça soit hardcore et tout. Mais maintenant, de nos jours, Elden Ring, nouveauté quoi. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait nous aider en fait. J'aime bien comme les différentes couleurs des torches. Ouais non, y'a rien, y'a strictement rien. Je vois pas du tout. Après, est-ce qu'on a des... On n'a pas de magie, genre rendre visible, invisible, des trucs comme ça. Je crois pas que ça existe. En fait, le mettre à côté d'un objet, c'est un peu débile ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Je pense qu'en ligne droite, on est tranquille. Et où tu vas? Je pense qu'il faut sauter là. Une de héros.
Mais après, là, je suis quasiment certain qu'on crève. Hein. Quasiment certain. Oui, oui, il n'y a pas de sol, ça passe à travers. Ah ok, putain, je voulais pas faire ça. Allez, c'est parti. Mais merde. Putain, j'arrive pas à le faire parce qu'il est dans le sol. Attends, y a pas un truc au-dessus? Il me faudrait plus de raccourcis, honnêtement, parce que j'aime beaucoup, moi, tout ce qui est les pierres et tout, là. Ah non, ça va. Tu sais, ça aide, hein? C'est tous ces petits trucs, comme ça. Genre ça, on en utilise plus trop. Ça, c'est pour donner à manger. Ça, j'utilise. Ouais, après, y a là qu'on pourrait... Ouais. Après, le problème, c'est que si on met trop d'objets, j'ai peur que notre mimique utilise trop d'objets, du coup, comme d'habitude. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut que je pense à utiliser. C'est les... c'est ça? Putréfaction. Non, c'est pas putréfaction. Non, c'est ça. Les attaques draconiques, là, pour tuer les dragons. Ouais, mais bon, après, nous, on peut pas le mettre sur notre... Bon, bref, merde. Faites pas attention à ce que je dis. Parce que vu qu'on a notre épée à gauche, on peut pas le faire. Mais bon. Ah, et je suis sûr que aussi de monter de niveau. Notre arme là. Et du coup maintenant on a 102 de congélation. Je suis sûr que ça marche aussi sur l'habilité. Genre c'est plus simple de congeler sur, avec l'habilité. Grâce à ça. Faudrait que je teste avec Shaina en PVP. Qu'on s'envahisse l'un l'autre. Enfin, qu'on s'invoque plutôt. Et qu'on fasse des tests. Oh, y a la porte du boss et tu me mets encore un chemin. Oh là là. Ah, c'est devenu une manie, hein. Putain, c'est devenu une manie de faire des trucs méga grands. Hein. J'ai envie de dire, on peut faire le boss et se casser aussi. Hein. C'est bon ça. C'est où ça? Ah ok. Ça marche. Bon, on n'a pas besoin de se reposer honnêtement. Parce qu'après tous les trucs vont réapparaître là, c'est relou. Alors, on a le Magic x2, enfin plus 2. On passe à 40. Alors, on va faire refaire comme on avait fait. Après.
Après, il y a ça, tout droit. Ok. Et après, hop, juste pour être sûr, on saute. Voilà. J'ai envie de dire, on peut mettre le magie. Je sais pas si vraiment ça veut dire qu'on va avoir de la magie, mais. Oh mon dieu! L'arme imitatrice égarée. Ah ça, elle doit venir de Necron. Et ouais, c'est comme ça qu'on... Oh, buff. Comme ça qu'on fait du PVP. Yes. C'est sympa que ça soit genre l'arme imitatrice, genre égarée. Je trouve ça cool qu'ils mettent ça. En plus. Parce que c'est vraiment ça, parce qu'elles devraient pas être là. Normalement, elles sont à Necron, la ville éternelle. Là. C'est là-bas qu'elles sont. C'est marrant. Et qu'est-ce qu'on a récupéré? Merde. Ah, j'ai pas fait attention. Non, c'est pas ça. Ah oui, au passage, je suis allé farmer des trucs. J'ai trouvé ça, le sceau sacré. Enfin, c'est un... Oui, c'est un sceau sacré pour faire des incantations. Et ça augmente les incantations de flammes. Donc, sympa. J'ai récupéré, c'est pas nécessaire, on connaît, Zama on connaît, le fouet épineux aussi, en voulant taper des monstres comme ça. Donc c'est sympa, très efficace pour causer des saignements, 50 de saignements de base. Et après le bâton de la culpabilité aussi, en tuant des femmes avec les bâtons en feu là. Et elle renforce les sorcelleries d'épines et accumule un peu de saignements quand on tape avec le bâton. Mais bon, on va jamais vraiment taper avec le bâton. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise la foi pour augmenter le bonus de sorcellerie. Donc c'est sympathique. C'est un bâton qui va utiliser genre de la sorcellerie, mais il va utiliser votre foi pour augmenter les dégâts. C'est intéressant. À la limite, c'est bien quand vous avez des petits... Genre, vous avez plus de foi que d'intelligence. Mais vous voulez quand même utiliser quelques trucs d'intelligence. Du coup, bah, vous utilisez ça. Parce que vous avez votre foi qui est plus élevée, donc c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? La flexibilité. Mais du coup, on a récupéré quoi, non, sans deck? J'ai pas fait attention. Ah oui, une cendre, c'est ça? Une cendre. C'est ça. Amon, moine de la flamme noire. Ah, mais c'est lui que je cherche, j'essaye d'avoir l'armure entière. Je l'ai montré la dernière fois. J'ai les jambes et le body. Jura, allégeance à la flamme noire Déicide, devenant ainsi le premier moine gardien du feu renégat. Mais peut-être serait-il plus juste de dire qu'il fuit la flamme des géants par couardise. Ouh. Ok, donc on a des pierres pour se guider. Montre-moi la voie ou douce lueur, amenez-moi jusqu'à l'arbre sacré. On va suivre les suivre les lumières pour éviter de se perdre.
C'est la première fois qu'on trouve des choses invisibles, genre un sol invisible. Encore qu'il y avait des débris. Parce que j'aurais pas vraiment pensé, quoi. Je l'entends. C'est quoi ce bruit? Ah putain, des machins, ok. Ouais, vous avez beaucoup de vie ici. Ok. Je peux m'éloigner des lumières sans problème ou pas? Ça marche jamais. Enfin, c'est pas là, il faudrait avoir. Oula. Oh, c'était peut-être pas une bonne idée. On est loin encore? Ah ouais, mais on est méga loin en fait de. J'avais pas vu ça. Ok. Ah non, pas ça, ça fait méga mal. On va tant mieux qu'on ait l'intelligence là, le talisman. Qu'est-ce qu'ils regardent les mecs? Bon, nous on se concentre sur la carte, hein, comme ça je pourrais aller farmer mon truc moi. Donc cette zone est complètement optionnelle alors, si j'ai bien compris. C'est une des berges en fait du froid, de la zone de géant. Et on peut pas y accéder sans le médaillon, impossible. Wow la vache. Les dégâts quoi. Oh mon dieu, vas-y, c'est tout plat, on dirait une arène. Vas-y, go map, go map. Rien va apparaître, j'en suis sûr. Ah, c'est là. Oh, regardez-moi ça là-bas, il y a un château, on dirait genre une fête quoi. C'est énorme. Ah, c'est énorme comme ça. J'adore. Ouais, voilà, ça c'est tout ça. Voilà, tout ça c'est optionnel là, apparemment, si je comprends bien. Il y a un arbre, il y a toute une ville, il y a des ruines, des cimetières sûrement. Ouh, une grotte rouge. Ça doit être des tours peut-être. Il y a plein de trucs. Il y a vraiment plein de trucs. Et moi du coup, mon truc il est pas très loin à farmer. Merde. Silence. Ouais, on va pas faire ce que je voudrais pas faire en fait une vidéo très longue, je voulais juste aller à l'endroit. Par contre, on va aller donner la morte fleur. Je rattacherai de toute façon cette vidéo à une autre partie plus longue. Mais je voudrais d'abord, après faire pause, farmer mon nouveau marteau, l'augmenter et vous le montrer en fait, voir si ça marche. Again, mine appetite, my sin.
Eh ben putain. Griffe bestiale de Gurung. Ah, le truc du l'habilité de la masse, je crois qu'il nous l'a donné en magie du coup maintenant. On provoque des ondes de choc aux alentours. D'une telle férocité qu'on l'affubla au nom de signifiant de pourfendeur des demi-dieux. Combien de fois? À peine 15, c'est vraiment pas énorme. Honnêtement, les habilités, enfin non, les magies, pardon, de bêtes sont vraiment intéressants et il n'y a pas besoin de beaucoup de fois. Hein. Moi j'aime beaucoup en fait. Je crois que je vais plus ou moins l'utiliser la fois de la bête. Il y a le régène qui est vraiment bien. Il y a les rochers, c'est sympa. Il y a ça qui est sympa, là-haut. Après, moi, je voudrais bien faire du feu. Bon, on n'a que 3 trucs pour le moment. On n'a que 3 magies. Mais bon, c'est beaucoup de fois, en fait. Donc, ouais. Bon, alors, moi, mon farm devrait se trouver... Ici. Alors donnez-moi une seconde, je vais vérifier pour être sûr. C'est ça, ça devrait. Ça devrait être là. Ici. Voilà, comme ça déjà vous saurez. Donc c'est un mec avec un marteau. Et ce marteau, il fait. Putréfaction écarlate et putain par contre on voit que dalle quoi. Putréfaction écarlate et moi je veux rajouter un truc. Alors j'ai pensé à faire putréfaction écarlate poison. C'est quoi ce bruit? Ça doit être lui. Oh, c'est quoi ça? Ah putain, c'est des ours. Oh la vache. One shot. Alors putréfaction écarlate. Et poison, c'est pas mal quand même. Oh. Oh la vache. Rien du tout. Okay. Il en a tué un autre, je crois. Il a tué un petit, ouais. Quand il a sauté. On l'a défoncé avec les griffons. Je peux pas dire, mais on l'a bien défoncé avec les griffes. J'avais peur que ce soit un autre gros, en fait. Alors, normalement, ils disent sur la page qu'on cherche une sorte de... Genre des... Des tombes ou des trucs comme ça, et il y aurait un mec avec un marteau. J'entends du bruit.
Ah, j'entends un mec marcher. Ah, voilà, voilà, les tombes, elles sont là. Ah bah c'est lui. C'est lui, c'est lui. Ah, c'est ces marteaux-là, ok. Oh! Ah oui, il fait bien de la putréfaction en plus. Hein. Je l'ai perdu le de lock. Merde. Oh mon dieu, le build-up quoi. Oh la vache. Énorme. Et on a eu le casque. Oh, ce truc là, honnêtement. Farmer même pas avant d'avoir ça. Je vais être honnête, farmer même pas avant d'avoir ça. Parce que rien que d'utiliser... Alors, évidemment, si vous voulez vraiment un truc précis, oui, faites-le si vous voulez. Mais déjà, utilisez ça. Et, mais ça, ça augmente à 160, je crois bien. Si je dis pas de bêtises. Et là, c'est 180, quoi. Rien que l'objet. Et bien sûr, vous pouvez cumuler les deux. C'est incroyable. Là, je vais être honnête, on va garder l'objet tout le temps. Hein. Juste pour pouvoir... genre, dropper, en fait, plus souvent. Comme ça, il y a plus de choses à lire. Mais regardez, oui, là, déjà, les trucs, ils ont toujours des choses à dropper, quoi. C'est abusé. Par contre, je veux bien tuer le machin. Ah, mais on peut aller en bas. Ah mais c'est un rouge je crois ça, non? Ah merde. J'en sais rien. Bon c'est pas grave. Ouais non mais allez pas farmer comme un fou pendant des heures sans avoir cet objet au moins quoi. Bon bah du coup c'est parfait. Nous on était quoi? Nous on n'a pas fini encore ça. Est-ce qu'on n'avancerait pas? Non vu que c'est... ça c'est... En théorie ça c'est tout secondaire. Tout ça. Donc honnêtement je dirais de le faire. On le fera en premier. Je pense qu'on va aller le faire. Par contre, je vais me mettre là. Comme ça, on a la visibilité. Parce qu'il y a la tempête à l'extérieur et c'est chiant. Ah, très bien. Attends, il y a des bestioles. J'ai vu qu'on avait eu un casque. Ah oui, j'ai eu ça aussi. C'est eux que j'essayais de farmer parce qu'au début, j'ai cru que c'était le marteau. C'est ça. Mais en fait, non, le marteau, il fait rien du tout. C'est juste un marteau à la con. Alors, nous, on a eu un casque en tuant le mec. Casque du hélice putréfié. Ah, c'est avec des serpents et tout dessus. Sauf que bah, c'est rouge, quoi. Porté par les gladiateurs qui furent chassés du Colisée, le porteur attire plus facilement l'attention des ennemis. Oh, le porteur attire plus facilement l'attention des ennemis. Ah, oh, ça c'est bien pour... du coup, pour pouvoir tanker. Ah oui, regardez, on a le... sur la barre des icônes, là. Vous voyez les icônes? Et regardez quand je le mets. Merde, il est où? Hop. Il a le buff du... C'est quoi, Machibi? Ça, là. Chabriri. Donc vous avez pas besoin de mettre le talisman, vous pouvez mettre ça à la place et vous pouvez faire un tank. En plus ça va hein, les résistances, c'est pas très... C'est un bon casque. Hein. Un très bon casque pour le poids et défense. Donc vous pouvez vous mettre... Ouais, j'ai peut-être farmé le set en fait, honnêtement. Alors en tout cas, nous on voulait ça. Putréfaction écarlate de 65.
très très bon. Oh, force 26. Ouh, c'est chaud ça par contre. Alors, grand marteau de guerre en fer conçu pour les combats d'arène. Il est rongé par la putréfaction des carottes. Suffisamment lourd pour broyer les armures et leurs propriétaires. Cri du hableur. Vous poussez un cri d'entrain pour annoncer votre présence au moins de la puissance d'attaque, de la défense et la récupération d'endurance. C'est pas mal ça, le cri du hableur. Ah oui, d'accord. C'est pas mal, je vais voir un peu les stats. Ouais, bof. Donc ça serait le marteau que je veux utiliser. Je le trouve assez rapide, moi. C'est les coups chargés. Je le trouve pas mal. Hein. Alors après, j'avoue qu'il a moins la classe que la masse, que la grande masse. Mais ouais, le truc, il fait putréfaction, quoi. Bon après, ouais, force 26, c'est chaud. Hein. C'est chaud de devoir avoir force 26. Poids 10, il est moins lourd que le croc du limier. Je vais être honnête, il va être sûrement moins utile. Après, il est plus basé sur la force. Moi, ce qui est con, c'est que, encore une fois, je suis samouraï. J'ai regardé, c'est pas 18, c'est 15, je crois, ma dex de base. Après 15... Enfin, de toute façon, 18, c'est pas si mal. Parce que moi, j'aime bien utiliser l'arc géant léonin. Et la dex, c'est 18. Donc il n'y a pas vraiment de problème en fait d'avoir 18 dex. Je pense que 18 de dex pour moi, ça va être le top. Comme ça je peux utiliser l'arc géant, je peux utiliser tous les arcs en fait. Toutes les arbalètes, les canons, tout ce qui est tir en fait je peux le faire. Et du coup j'aurai un peu plus de choix pour les armes qui montent jusqu'à 18 de dex. Voilà, donc 18 c'est pas mal. J'ai envie de mettre ça moi. Alors regardez, si je dis pas de conneries, on peut faire ça, on peut faire c'est ça, voilà. Putain, en plus il perd pas en putréfaction. Alors je peux faire de la glace, ou alors ouais, mais après je suis obligé de mettre autre chose en fait. Si je veux faire autre chose, on peut mettre, voir si je fais ça. Ouais non, dans la glace non, on avait dit non. Congélation. On peut mettre poison 80. On peut mettre du saignement, ça montrait à 69, sûrement dans les 80 une fois que c'est au maximum, je dirais, peut-être, enfin 70, 75 peut-être. Ouais, 75-80. Le poison, il est déjà à 80 de base, donc ça monterait jusqu'à facilement plus de 100. Je pense qu'on arriverait comme les griffes. Genre les griffes, elles sont à 102. Je vais voir un peu. Lui, il a double dot. Je crois. Eux, ils ont que le poison. Ok, là, il a... Là, il a écarlate et poison. Là, il a poison.
Là, il a les deux. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Avoir une arme qui tape fort et qui met du dot en plus, hein. C'est pour ça que je veux tester des choses avec cette arme. Je veux que... Ça sera sûrement... mon arme lourde, en fait. Oh, on fait tomber et tout, quoi. Waouh. Ah, lui, là... Là, il a quoi, là? C'est un peu compliqué de voir. Là, il a écarlate. Mais je crois pas qu'il ait le poison. Un coup. Deux coups. Trois coups. Trois coups, poison. Quatre coups, écarlate. En plus du poison. Vous voyez? Il y a deux fois le dot. Enfin, il y a deux... Il y a deux... Les chiffres, ils sautent deux fois, en fait. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Pas mal. Ce qui est bien avec cette arme, c'est que l'écarlate, en fait, est déjà à 65%. Enfin, pourcent, 65. Là, on avait le cumul du saignement à 45 avec les griffes. Bon, il a été baissé parce qu'on a mis la congélation. Donc, c'est un peu embêtant. S'il était à 60, ce serait le pied, quoi. Mais on peut pas. Ok, c'est pas mal. Et ce qui est marrant, c'est que si je mets du gel, l'écarlate reste à 65. C'est bug. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est bugué. Parce que on est d'accord que la base, c'est 60, là, dans les griffes. La base des griffes... C'est ça qui est bizarre. Après, je sais pas, c'est peut-être des problèmes encore. Hein. C'est peut-être des petits bugs, hein, du jeu. Qui n'ont pas été corrigés. Mais regardez, vous voyez que l'accumulation de saignement de base, c'est 60 pour les griffes. Si on le met en poison, ça fait poison 84, 14. Mais le saignement, il descend à 45. Là, si vous prenez cette arme-là... Après, c'est pas le même type d'arme, donc ça c'est peut-être fait différemment. Mais si vous prenez ça, que vous voulez rajouter du poison, la putréfaction, elle reste à 65. Hein. C'est super bon. Et là, on pourrait mettre saignement, par exemple. Je vais voir un peu. Un, deux, trois. Quatre. Quatre, il a la putréfaction. Cinq, il a explosé de saignement. Un, deux, saignement, explosion. Saignement, explosion. Il y a la putréfaction, évidemment. Pas mal, pas mal, pas mal. On peut faire vraiment ce qu'on veut, en fait, avec ces armes. C'est abusé. Ah oui, je voulais tester ça. Je voulais tester cette habilité, parce que je sais pas ce que c'est. Ah, ça met de la lave, en fait. Ouais, c'est marrant. Ouais, bof. Enfin, c'est plus marrant qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on a? C'est de la gravité. On s'en fout. Ah oui, ça, je voulais tester aussi. Vu que maintenant on a un gros truc. Ah mais ça même ça utilise même pas de PC, ça utilise mon endurance. Marrant. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ça mette de la putréfaction, l'habilité. Ah,
Ah si, 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 regardez. C'est énorme. C'est vraiment fun. Par contre, ça fait pas de dégâts. Attends, c'est quoi qui... Si, ça fait 20 PC, et après, en fait, on peut continuer à rouler, en fait. En gros, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. 20 PC initial pour faire l'habilité, et après, vous maintenez, et c'est l'endurance qui prend. Donc, en fait, si vous n'êtes pas en combat, vous pouvez faire ça à l'infini. Ah, c'est énorme. Bonjour, je passe. Voilà, j'ai foutu mon bordel. C'est marrant. Ouais, oui, il y a plein de trucs à faire. Franchement, vraiment, je vous conseille de vous amuser en fait à ça. La foudre. Alors du coup, nous, après, on pourrait décupler ça. Et l'avoir aussi sur la masse, ça aussi c'est une idée. Mais bon, nous on veut ça. Et du coup, bah, on est obligé de faire de la glace en fait. C'est un peu bête parce que moi j'aurais bien voulu... Poison, peut-être. Mais on n'a pas. Du coup, est-ce que ça marche en AOE? Fais voir un peu. Alors, pour l'instant, il n'y a personne qui a rien eu. Non. Je crois pas que ça marche, merde. Ah, déception. Déception, le marteau ne... Le marteau ne va pas... Enfin, l'habilité ne va pas être chargée avec les altérations d'état. Merde alors. Ah, ça, ça fait chier, ça, par contre. Et ça... Ah, ça, ça fait chier. Bon, on va s'arrêter, là, de toute façon. Je vais faire d'autres tests. Ça, par contre, peut-être... Ça fait tomber.
Non, il a la glace. Et il a la putréfaction. Je sais pas ce que ça vaut en fait cette attaque en PVP honnêtement. Je sais pas du tout ce que ça vaut. En plus d'infliger des dégâts à l'impact, cette attaque attire les ennemis. Ouais. C'est pas mal hein. A la limite, peut-être que c'est plus utile de faire ça, je sais pas. Ah, ça m'embête que l'AOE, là, les 3 AOE, elles mettent pas d'altération d'état. Ou alors c'est très minime. Ah, ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Après, on peut toujours mettre des trucs. Il y avait le cri de barbare, faut voir ce que ça peut donner. Ça peut être marrant. Peut-être le cri de barbare, en fait, ça va changer le R2. Ça peut être drôle. C'est un enchaînement, du coup. Ouais, bof, on s'en fout. Non, bon, on va s'arrêter là. Moi, je vais tester des choses. Voir si on peut faire un marteau sympa. Je suis un peu dégoûté que on puisse pas avoir des altérations d'état en fait sur l'AOE. Mais bon, c'est comme ça. Ça serait peut-être un peu trop pété. Mais ouais, je vais voir. Parce que je veux un truc qui marche en PVE et PVP en fait. Ça sera tout pour ce petit segment de vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.